Mais Cyril, avant tout, un point sur les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé et ce week-end d'ailleurs? Hier soir, un gros succès pour France 2 avec la diffusion du film aux 3 Césars, Petit Paysan, avec Swann Arlo et Sarah Giraudot. 4 millions de téléspectateurs ont regardé ce film, ça représente 17,6% de part d'audience. En deuxième position, M6 avec le magazine Capital qui traitait hier du salaire des maires. 2 865 000 téléspectateurs ont suivi le programme. Troisième position, France 3, 2 857 000 personnes ont suivi les enquêtes de Vera. Et c'est seulement en quatrième position. J'allais dire, ouais, pas de TF1 dans le podium. Et non, quatrième position pour TF1. C'est un échec pour le film Gravity avec Sandra Bullock et George Clooney qui n'a été regardé que entre guillemets, par un peu plus de 2 millions de téléspectateurs français. Voilà. Il y avait aussi un match formidable PSG Monaco sur Canal+. Absolument. Ouais. Et un mot sur les audiences de ce week-end, un seul, pour vous dire que le programme Boyerland de vendredi, diffusé sur France 2, est passé sous la barre des 2 millions de téléspectateurs. Ils étaient un peu plus de 2 100 000 au vendredi 3 janvier. Et pour vendredi là, c'était 1 831 000 téléspectateurs devant le programme de France 2, Boyerland, la déclinaison de Fort Boyard. Et c'était la dernière de l'émission.